Puisque je vous retrouve dans mon appartement. Je vous en ai pas du tout parlé. Pour vous recontextualiser un petit peu, je sais que si vous me suivez depuis au moins un an, vous le savez, mais je rentre du coup là en début septembre, en troisième année de licence en école de commerce. Enfin, j'avais un appartement en première année que j'ai rendu au mois de mai parce qu'il y avait le confinement et tout. On avait cours en visio donc ça servait à rien, je reste dans mon appart. En deuxième année de licence, donc là l'année qui vient de se terminer, j'ai passé un an dans les valises puisque j'étais à moitié en alternance, la moitié de la semaine j'étais en alternance, la moitié de la semaine j'étais à l'école. Il faut savoir que mon école est à 2 heures de route de chez mes parents, mon alternance est dans la ville la plus proche de chez mes parents qui est à 40 minutes, donc je faisais la route tous les jours mais ça me dérangeait pas. Mais quand j'allais faire la route tous les jours pour aller jusqu'à l'école, rentrer le soir et tout, ça me faisait trop. Donc des fois je dormais chez ma soeur mais ça me faisait quand même 1h15 de route, des fois je dormais dans des Airbnb, des fois je dormais chez des copines, donc en fait j'étais jamais posée. Donc j'ai passé un an, une année très très fatigante dans les valises. Je dormais jamais chez moi, je dormais jamais au même endroit, et même si j'avais des copines pour me dépanner, on avait les Airbnb. C'est vrai que quand on n'est pas chez soi et qu'on rentre en fin de semaine, qu'on doit défaire sa valise, refaire sa valise, on se pose jamais et au final on est toujours fatigué. Donc pour cette troisième année de licence, je voulais vraiment me trouver un appartement étudiant, un appartement en tout cas pour mes études. Donc du coup j'ai trouvé avec beaucoup de difficultés, on va pas se mentir, un appartement dans la ville de mon alternance. Là du coup, comme je vous l'ai dit, ça me fait à peu près 1h15 de route pour aller jusqu'à mon école, mais au final moi ça me va totalement puisque en fait j'ai seulement 3 jours d'école toutes les 1 semaine et demie. Donc finalement je suis beaucoup plus à mon alternance qu'à l'école contrairement à mes 2 autres années. Donc ça me permet de plus trop prendre la voiture à part pour aller à l'école. Alors aujourd'hui je vous fais un petit peu un vlog, je vous emmène avec moi. Je pourrais comme ça vous donner des conseils si jamais comme moi vous avez un appartement. Finalement moi c'est le troisième appartement que j'ai. Si jamais c'est votre premier appartement, vous êtes un peu stressé, vous inquiétez pas, on se soutiendra ensemble parce que moi maintenant je commence à avoir l'habitude. Vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos que je vous ai fait énormément de vidéos quand j'avais mes autres appartements sur l'organisation, la préparation, le déménagement. C'est vrai que là je vous ai pas fait de vidéo de déménagement parce que cet appartement est déjà tout meublé et je voulais pas refaire les mêmes vidéos que je vous ai déjà fait avant. Je suis arrivée dans mon appartement hier du coup. Ce matin je me suis levée vers 9h30 je crois. Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller commencer à s'installer un peu mieux petit à petit puisque je vous ferai un appartement tour évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos sur mon appartement, sur ma vie étudiante vous intéressent, mais il y aura bientôt un appartement tour. Mais là vous voyez pas, mais mon appartement, mis à part des meubles, il n'y a rien, il n'y a pas de déco, mon frigo est vide. Là ce qu'on va faire cet après-midi c'est qu'on va aller faire des courses, on va essayer de trouver des petits meubles de rangement et je dois aller terminer de faire mes fournitures puisque ma rentrée c'est le 29 août et je reprends mon alternance du coup lundi, donc dans 2 jours. J'aimerais bien terminer mes fournitures avant de reprendre mon rythme d'alternance, tout ça. On est samedi 13 août, il est 13h, j'ai fait ma petite liste de courses ce matin, là on va partir à Action. Déjà faire les fournitures, il y a plein de petits trucs à faire dans cette journée, c'est pour ça on doit se dépêcher. Attends, je vous le dire avant, mais vous avez certainement vu là mes 3 dernières vidéos, c'était des vidéos vlog d'été. Ma dernière vidéo que j'ai fait, je pense que vous avez dû voir, je sais pas, mais en tout cas je vous l'avais écrit en description. Le montage, c'est pas ce que je fais d'habitude. Cette vidéo là, mes prochaines vidéos jusqu'à dans pas très longtemps, genre dans 2 semaines, j'aurai un nouvel ordi, mais en fait mon ordi a lâché. Donc je suis obligée de faire mes montages sur mon iPad, ce qui n'est pas du tout pratique. Là j'essaie de faire au mieux. Donc désolée, mes montages pendant peut-être un mois seront pas terribles. Alors, au niveau de ma tenue du jour, mon top vient de chez Pinky, mon short c'est un short Zara. J'ai mis mes Converse. Le temps ce matin, je vous l'ai dit en plus, de faire ma liste de courses, j'ai oublié ma liste sur ma table. C'est super. Mes amis, il est 15h30, je viens de rentrer des courses. Alors en premier, je vous ai dit, je suis allée à Action puisque je voulais faire au début mes fournitures. J'ai pratiquement rien trouvé. Après, je suis allée à Confo parce que je vous avais dit, je voulais trouver un petit meuble pour mettre ici en fait dans l'angle. J'ai rien trouvé. Après, je suis allée du coup à Biocop et à Géant. Pareil, à Géant, je voulais trouver genre plein de petits rangements. J'ai rien trouvé du tout. Je fais beaucoup mes courses à Biocop parce que je suis intolérante au gluten et au lactose et il y a énormément d'autres aliments que je n'utilise pas du tout. Donc, je fais bien attention à ce que j'achète. Aussi, je mange pas de viande. Soyez pas étonnés si vous voyez pas de viande, pas de choses comme ça parce que je mange pas du tout. J'ai pris de la salade. Ensuite, j'ai pris 2 sachets de tagliatelle de Cognac.
J'ai pris une poêlée de légumes. Ensuite, j'ai pris vinaigrette et de l'huile, des haricots verts et des petits pois carottes. J'ai pris du sirop de citron. J'ai pris du nectar d'orange. Ça, tout ce que je vous ai montré, c'était à Géant du coup. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Biocop. À Action, j'ai trouvé deux trucs, j'ai oublié de vous dire. J'ai pris un gel doux. Et j'ai pris du savon pour les mains. Biocop, moi, j'achète beaucoup de choses en vrac parce que c'est moins cher. Donc, j'ai pris du riz à risotto. J'ai repris un yaourt nature au soja. J'ai pris des falafels vegan. Tout ce que j'ai pris, c'est sans gluten et sans lactose. J'ai pris des lentilles vertes et du quinoa. Et pour terminer, j'ai pris du lait végétal, donc au soja. Et j'ai pris de la crème à la coco. Il est 16h15, ma soeur vient me chercher dans 15 minutes à peu près. Ma soeur et son copain du coup viennent me chercher pour me montrer leur maison puisqu'ils sont en train d'acheter une maison. Et normalement c'est cette maison là qu'ils vont acheter, donc ils vont aller me la montrer. Je suis trop contente parce que toute ma famille l'a vue sauf moi. Ensuite on va acheter un cadeau pour ma prof de danse puisque ce soir on fait l'anniversaire de ma prof de danse qui prend sa retraite. Cette vidéo je vais pas l'arrêter aujourd'hui, le but c'était vraiment de vous montrer les premiers jours dans son appartement quand on habite tout seul. Si jamais vous prenez un appartement, que c'est votre premier appartement et vous êtes stressé, ce qui se comprend totalement. Moi quand j'avais pris mon premier appartement, mes parents ils m'avaient emmené, c'était super loin de chez moi, c'était à 2 heures de route et ils m'avaient laissé du coup le soir et quand ils sont partis j'ai pleuré et ça s'était super mal passé dans cet appart parce que au final je stressais trop, il y a eu plein d'autres chose, mais le stress ça a joué beaucoup. Donc vraiment le but de cette vidéo c'est de vous montrer ce qu'on peut faire les premiers jours quand on a notre appartement. C'est vraiment de dédramatiser la chose si jamais vous êtes stressé, c'est de vous donner des conseils, de vous accompagner, qu'on se soutienne ensemble, qu'on prépare au mieux cette rentrée ensemble. Bon du coup je vous montre ma petite tenue pour ce soir. Donc j'ai mis un crop top et une jupe qui viennent les deux je crois de chez Shein. J'ai mis des petites mules à talons qui viennent de chez Gémeaux. J'avais reçu deux colis la dernière fois chez moi. Je crois que c'est des collabs pour Insta et pas pour YouTube. Il faudra que je vérifie. Mais si j'ai des petits codes promo, je vous les montre quand même sur YouTube si ça peut vous intéresser. Je prendrai plus le temps de vous montrer demain, mais en gros j'ai reçu donc un gros colis comme ça. C'est une marque de vernis, de produits pour faire les ongles. Et j'ai reçu des bijoux. Là on est le lendemain, il est 13h. Hier j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire puisque finalement je devais aller visiter la maison avec ma soeur, je vais aller à la nuit et tout, donc j'ai pas le temps de tout faire et de tout acheter ce que j'avais besoin d'acheter. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va aller à Jiffy. Je voulais aussi aller acheter ce qui me manque pour l'appart. Après je dois faire de la création de contenu pour mes deux collabs pour Insta et en même temps je vous montrerai les colis que j'ai reçus, donc on fera un petit unboxing. Ensuite je voulais peut-être faire une commande de vêtements pour pareil pour la rentrée et il fallait que je regarde les MacBooks. Mon MacBook a lâché et j'en ai besoin pour mes montages vidéo, mais ça à la limite ça peut attendre, mais c'est surtout pour l'école, c'est la seule chose qu'on a besoin. 15h, j'ai passé 2 heures à rien faire, donc là je vais aller du coup à Jiffy. Alors les amis, tenue du jour très très simple, donc j'ai mis un petit crop top qui vient de chez H&M. Mon jean, je ne sais plus, mais je crois que je l'ai acheté sur internet. Mes petites chaussures que j'ai achetées sur Shein, je crois. Ma liste de courses cette fois-ci, sinon je vais encore tout oublier. J'ai reculé tout à l'heure là vers. Je me suis garée vers mon appart pour sortir de ma place. J'ai reculé dans un arbre. J'ai bien l'impression que mon phare derrière est éclaté. J'espère que c'est pas cassé parce que là c'est pas le moment quoi. J'ai trouvé mon bonheur à Jiffy. Pas tout mais presque tout. On pourra rentrer, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté des trucs pour mon appart. Je suis allée en premier à Jiffy pour faire tout ce qui est terminé un peu. Tout ce que j'ai besoin pour l'école. Et j'ai trouvé des petits meubles pour ma cuisine. Après, je vais déjà vous montrer tout ce qui est alimentaire. Je suis allée à Géant. J'ai repris du lait végétal, cette fois-ci soja vanille. J'ai acheté de la compote. J'ai trouvé un rayon dans le Géant que je connaissais pas du tout. C'est dans le rayon fromage. Il y a un endroit où il y a que des spécialités végétales. Et étant donné que je mange pas de fromage, parce que je peux pas. J'ai jamais allé dans ce rayon, mais là, je cherchais le beurre végétal. Finalement, je suis tombée sur du fromage végétal. Donc, c'est de la marque Nourish. J'avais vu cette marque dans le sud et je pensais pas qu'il y en avait ici. Donc, en fait, c'est un
râpé végétal. J'ai pris aussi de la salade de fruits. Comme je vous l'ai dit, je suis allée à Jiffy. J'ai trouvé une petite étagère comme ça à poser. Par contre, j'espère juste qu'il n'y a pas besoin de tournevis. J'ai l'espoir que juste les pieds se déplient comme ça. Il faut un tournevis. Ah, mais il faut faire du montage et tout. Ah, la notice et tout. L'étagère est montée, maintenant on va aller l'installer dans la cuisine. Alors là du coup je suis en train de regarder, je vous avais dit j'avais reçu deux colis, je suis en train de regarder ce que je dois faire du coup par rapport à ces deux collabs. Il me semble que c'est deux collabs pour Insta, donc la première marque que je suis en train de m'occuper là en fait c'est une marque de bijoux. En gros quand je reçois un colis, des fois en fait on reçoit un brief. En fait un brief c'est une... ça peut être fait sous différentes formes, sous forme de liste, sous forme de texte. Ça regroupe en fait toutes les informations importantes que nous on doit vous dire. Et quand on n'a pas de brief, il faut reprendre du coup les informations sur lesquelles on a échangé avec la marque par message. Donc moi pour cette marque là j'ai échangé par Instagram, donc je suis en train de reprendre toutes les informations importantes. Je suis en train de tout noter sur mon petit carnet pour que ce soit plus clair, pour que je sache ce que je dois faire. Et ensuite je pourrai réfléchir à ce que je veux faire comme contenu. Et je pense pas ce soir puisque là il est déjà 18h, je pense demain ou après-demain je ferai la création de contenu. Ensuite j'envoie la marque pour qu'elle valide, pour qu'elle voit si ça lui va, et ensuite on va ensemble pour poster. Là en l'occurrence il y a un petit code promo à mettre en place, là pour l'instant je m'occupe de cette marque là ensuite je m'occuperai de la marque de vernis juste après. Demain je pars à Dijon avec mes parents pour faire les magasins. Lundi 15 août, il est 11h. J'ai déjeuné, je me suis préparée puisqu'il fallait que je fasse des photos du coup pour les collabs que j'ai. En 11h40, je viens de terminer de faire mes ongles. Je vais vous présenter la marque rapidement quand même. Donc en fait c'est la marque Manucuriste qui m'a contactée je crois sur Instagram pour savoir si je voulais tester leur gamme de vernis semi-permanent Green Flash. Donc en fait c'est une alternative au vernis un peu écologique. Ils m'ont envoyé deux couleurs de vernis, donc ils m'ont envoyé cette couleur là, je vais vous les montrer. Donc en fait ils m'ont envoyé cette couleur là, donc vous voyez c'est un marron très foncé. Ils m'ont envoyé ce rose là, clair, un peu pastel, donc c'est celui que j'ai mis, ça fait hyper naturel. On voit même un peu encore le blanc des ongles. Je vais laisser ça toute la journée, je vous referai peut-être un update ce soir pour vous tenir au courant si jamais c'est bien. Dans tous les cas je vous en parlerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il est temps pour moi d'arrêter cette vidéo maintenant. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ces quelques jours avec moi vous auront plu et que ça vous aura rassuré si jamais vous stressez un petit peu à l'idée d'avoir votre appartement pour cette année. Si jamais mes vidéos vous plaisent et que vous avez envie de continuer de suivre ma vie étudiante, je vous invite à vous abonner. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.